مدد مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله مدد مولانا الشيخ دستور مدد 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 الحق مدد أهل الله في البلاد الله عز وجل جل جلاله nous a honoré et privilégié par le souffle de vie, par la grâce de faire de nous les enfants d'Adam, alayhi salam, et de nous accorder d'être de Ummatur Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et de nous accorder dans ce mois sacré de Muharram, le Haram, le sanctuaire divin, l'ouverture de l'année. D'être dans un majlis de zikr. Majlis de zikr, sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés Riyad al-Jann, les jardins du paradis. Et nous rendons louange à Allah Azzawajal. Alhamdulillah wa shukrulillah. Qu'il nous a été donné la magnificence de cette assemblée. Et d'élever notre voix dans le désir de faire la louange d'Allah. Et d'élever notre voix pour couvrir Habibika al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ahli wa sahbi al-kiram et sa famille et ses compagnons de leur faire la louange. Mais dhikri salihin tanzil rahma. La mention des vertueux fait descendre la miséricorde. Et Allah Azzawajal nous rappelle à propos du majlis. Ana jalisu man zakarani. Je suis assis avec celui qui se rappelle de moi. C'est un rappel de la part du Seigneur des mondes très particulier. Son rapport à son serviteur a un rapport de transcendance absolue. Il est le Créateur, nous sommes la créature. Il est, nous ne sommes pas. Il est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes de faibles créatures. Mais Allah Azzawajal a mis chez l'enfant d'Adam un secret particulier. Celui qui laissa les anges perplexes. Mais un secret qui fait que le Seigneur des mondes appelle son serviteur. Le Seigneur des mondes adresse son serviteur. Le Seigneur des mondes a créé son serviteur d'un geste d'amour. L'a élevé au firmament de la création. L'a élu prince ou princesse héritier en attente
de la couronne de la réalisation. Et Allah Azzawajal définit en permanence pour le serviteur un chemin qui est entre Allah et son serviteur, qui est toujours dans les deux sens. Anajalis ou mandakarani, je suis avec celui qui me mentionne. Cela prend de la part du serviteur de comprendre que pour le serviteur qui cherche les faveurs de son Seigneur, il se doit de faire un pas. Si le serviteur va à son Seigneur en marchant, Allah Azzawajal vient en courant. Si le serviteur va vers son Seigneur en courant, Allah Azzawajal vient en volant. De façon figurative, bien entendu. Alors, il faut se poser la question, quelle est la place dans notre vie que nous accordons au Seigneur des mondes, dans nos intentions, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre quotidien, dans nos choix, dans nos plans, dans la façon dont nous établissons notre vie. Et très souvent, ce ne sont pas dans les grandes choses. Ce sont dans les petites choses. C'est dans la subtilité, c'est dans le détail que réside la suprématie. Allah Azzawajal a créé ce monde avec ce paradoxe. Il a fait de la créature la plus humble en apparence, la créature suprême. Hadrat Insan, sa manifestation est la plus faible. Il est fait d'argile et il est temporel. Pourtant, dans sa matérialité, il porte la manifestation de l'âme. L'âme créée du souffle de la présence divine, d'une particule de lumière. Et une âme qui est éternelle. Allah Azza wa Jal, en créant l'âme de l'humain, lui a attribué des caractéristiques qui procèdent des caractéristiques divines, Asma al-Husna. Alors l'âme est habillée de vie et de vie éternelle, d'amour et de générosité et de compassion et de majesté et de beauté et ainsi de suite. Mais cette âme, créée pour l'éternité, créée pour la gloire du Seigneur des mondes, pour la contemplation du Seigneur des mondes, est mise au défi dans ce monde. Pour que nous puissions comprendre la grandeur de ce qui a été accordé aux enfants d'Adam. Et nous avons tous et chacun, toutes et chacun, le désir de s'accomplir. L'accomplissement en islam est aujourd'hui la chose la plus étrangère aux musulmans. Comme les discussions avec les enfants, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Je veux être pompier. Ou je veux être astronaute. Où je veux être millionnaire. Ça, c'est... Je veux être fameux. Je veux être Canadian Idol ou... Tellement d'autres.
mais nous n'entendons de personne dans la sphère de l'islam, dans la sphère du monde musulman, dans la sphère de l'islam qui produit encore, qui porte l'héritage de la révélation, la lumière de la révélation. Personne ne dit « je veux me réaliser ». Je veux ne pas être pour le plaisir de mon Seigneur. Je veux réaliser ma promesse avec mon Seigneur. J'ai l'intention chaque journée qu'elle soit meilleure que la précédente, et que je sois meilleur que le précédent, et que j'ai victoire sur mes faiblesses. J'ai victoire sur ma colère et mon envie et ma jalousie et mes passions étranges et mes perversions et mon avarice et sur ma laziness, ma paresse et ainsi de suite. Je veux sur le modèle de la couronne des croyants Habib Kal-Mustafa, Rahmatalilalam. Je veux que mon être procède d'un geste de miséricorde et non pas un geste oppressif. Je veux Ya Rasulallah. Qui adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui? Je suis frais et vivant dans ma tombe. Qui adresse le prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis frais et vivant dans ma tombe. Celui qui me donne la salutation, Allah retourne mon âme dans mon corps pour lui répondre sa salutation 10 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas croyant celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. N'a pas complété sa foi celui dont quelqu'un a à craindre de la langue et de la main, de la parole et du geste. Et Allah azawajal, à propos du messager, rappelle, alors que les compagnons étaient transgresseurs envers eux-mêmes, quand ils sont transgresseurs envers eux-mêmes, ils viennent à toi, Ya Muhammad, demander ton pardon, et Allah leur pardonne. Subhanallah. Pour ceux qui réfutent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui réfutent la nécessité d'un moyen pour le plaisir d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui réfutent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est actif en permanence. Ce sont les bases de l'islam. Ce n'est pas une autre religion. C'est l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dévoilé, tel que les sahaba kiram l'ont vécu, et tel que les générations entières d'Ahlul Sunnah wal Jama'a ont vécu leur islam. Nous nous sommes enfermés dans notre propre limite et dans la bulle de notre illusion, coupés de toute réalité. Et nous venons à toi, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Demander de faire revivre nos cœurs. Amen. Demander d'illuminer les horizons aussi sombres qui s'offrent à nous. Amen. D'être le protecteur des faibles, Amen. Des démunis, Amen. Des orphelins, Amen. Des veuves, Amen. De tous ceux et celles qui aujourd'hui, de par la tyrannie des humains, souffrent. Et d'être Ya Sayyidi Ya Rasulallah, celui qui nous tirera
dans l'ascension pour pouvoir nous libérer de notre monture. Amen. Un nafs qui nous tient tous et qui nous empêche d'être des serviteurs qui désirent le visage de leur Seigneur. Quelle est la place que nous mettons pour Allah Azzawajal dans notre vie? Alors on ne peut pas se plaindre que notre état soit si asséché et si aride. Si je me lève avec la louange à mon Seigneur et avec l'intention de le rencontrer, c'est une chose. Si je me lève en sacrant après mon réveil matin, parce que je suis en retard, et en courant pour attraper le bus, sans même avoir prié deux rak'as, comme ça arrive souvent. Cela définit quelles sont nos priorités. Si la chose la plus utilisée dans la maison, c'est notre télécommande favorite, notre tasbih favori, c'est la télécommande, que cette chose est toujours en apparence sur le mur en train de nous parler, et on oublie le livre d'Allah. Et on oublie le dhikr d'Allah. Alors on ne peut pas s'étonner que le cœur ne manifeste pas cette présence. Si dans les choix que nous établissons, toujours est un calcul pécunier sur comment améliorer telle chose ou comment faire profiter telle chose, et qu'il n'y a pas la part d'Allah dans ce que nous intentionnons, quelle est véritablement notre intention pour ce Seigneur? Lorsque notre cœur est triste, qui appelons-nous? Lorsque le cœur est en peine et dans la mélancolie, est-ce que nous chantons de tout notre être la louange au messager d'Allah? Ou alors est-ce qu'on vocifère après tous ceux que nous rencontrons? Ce sont des choses simples. Ce sont les piliers de la foi. Allah Azza wa Jal décrète pour son serviteur: je suis pour mon serviteur tel qu'il m'espère. Si le serviteur regarde Allah Azza wa Jal, l'Aziz, Yara, comme le suprême, alors il sera suprême. Mais si le livre d'Allah traîne toujours sur une étagère où on ne se souvient même pas et prend la poussière, alors véritablement, combien de nations, combien de peuples, combien de chercheurs, combien de créatures aguerries auraient demandé de pouvoir lire la première phrase du livre d'Allah? Et à cette nation, Allah Azza wa Jal a révélé Dhalika al-kitabu la rayba fi. Al-kitab al-mubin, le livre à propos duquel il n'y a absolument aucun doute. Un océan de lumière renouvelé sur chacune des lettres. Et chaque océan de lumière sur chaque lettre du Coran à chaque instant est différent de celui qui est précédent. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre notre être. Amen. A donné la louange, le hamd, le shukr au Seigneur des mondes. Qu'il fasse que chaque action,
chaque parole, chaque intention, son fondement soit le plaisir d'Allah. Ô notre Seigneur, même pour un instant, le défi du serviteur est si difficile pour nous. Si un instant nous nous rappelons de ta présence, l'instant d'après, nous sommes retournés à nos mains. Si dans le majlis de zikr, pour quelques instants, à cause de zikr, le corps s'allège, l'âme s'allège, et nous nous sentons si légers. Mais dès que le majlis va être fermé, ça redescend très vite. Et tout de suite, on retourne à notre nature. Nous invoquons, ô notre Seigneur, par la grâce de ton messager, par sa lumière, par le sanctuaire de ton moi, le moi des mois, Muharram al-Haram, dans ce temps si difficile, nous invoquons d'être tenus, Amen. D'être guidés, Amen. D'être illuminés Amen. Sur le sentier de lumière, Amen. D'être protégés de tous ceux qui te transgressent, Amen. De tous ceux qui éloigne de ta présence, Amen. De tout ce qui est contraire à ton commandement, Amen. De tout ce qui est contraire à l'éthique de la couronne des croyants, Amen. Sallallahu alayhi wa sallam, et à l'éthique de la noblesse, Amen. Ya Rabbi, accorde-nous en permanence ce désir de cette rencontre, Amen. Le désir d'aller au-delà du delà, Amen. Dans toutes les choses, les grandes et les petites, Amen. Dans un désir constant de chercher ton visage, ô notre Seigneur. Amen. Accorde-nous en toutes choses l'équilibre, Amen. Dans les choses de ce monde. Amen. Que notre matériau soit fait d'amour, d'humilité, Amen. De miséricorde. Amen. Que notre caractère soit défait Amen. De tout ce qui est contraire à la lumière et à la noblesse. Amen. Ila hadratina bil fatih.